bah, c'est quoi le bâtiment du bah, match. Et le mois dans le bras, bah, ça me dit moi, et puis le bras, ça. Puis j'aime ça, me dit, t'es moi. Là. Prévenu, Pouloulou, Belengo, exaucé. Passe à un micro. Lilobano ya suka ezalini. Mali lobana nga sukeza bakanga inga na kombo na nga ite na kombo bandeko nanga na no declare kake e faction est individuelle bakanga inga na kombo bandeko nanga ti na ese tu feti awa apo ba charger nga ike na kombo te o nga i manasi nga za ma sete nga exhausté o sengi la tribunal e nini. Le président de la composition, je voudrais suggérer à votre tribunal une méthodologie. Si, après avoir entendu la partie Madame Lola, que vous puissiez procéder également à la déposition des autres parties civiles, puisque les modus operandi, c'est pratiquement le même pour tous. Et ainsi, votre tribunal pourra se rendre compte. Nous aurons à le dire de cette répartition intelligente des tâches. Le tribunal vous remercie. Ainsi, le tribunal appelle la partie civile Grâce Mboya. Grâce Mboya Kamika. Vous avez la parole pour donner votre version des faits. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Votre honneur, président de la Chambre, honoré membre de la composition du ministère public organe de la loi. Le fait pour lequel Madame Mboya Grâce est victime, se sont déroulés à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, précisément à l'arrêt cimetière, lorsqu'on est sur le boulevard du 30 juin. Elle prenait le transport pour arriver à Magasin. C'est à cette date du 8 juin 2023. Précisément vers 19h, elle a vu un taxi qui partait à Magasin. Elle a pris ce taxi-là pour avancer. Le taxi avait comme chauffeur M. Christian ici présent. C'est lui qui était le chauffeur. À part Christian, dans le véhicule, il y avait aussi Madame Luemba Monga Magdala. Les personnes qu'elle a reconnues dans le véhicule quand elle est entrée, elle est parmi les personnes, pas citées dans cette cause, mais le prévenu qu'on a amené devant. Oui, oui, nous l'avons vu ici. Il y a aussi l'Ofemba Bolaya Splendide. Elle aussi était dans le véhicule. Et Simba Kibangu, bienvenue, qui est là. Ce sont les quatre qui étaient dans le véhicule. Chemin faisant, quelques mètres après, le nom des personnes qui étaient dans le véhicule. Celui qui conduisait le véhicule, c'est Ngala Lomama Christian. C'est lui le chauffeur. Il y avait Luemba Monga Magdala. Elle était assise sur la chaise de passager à côté du chauffeur. Il y a Lofemba Bolaya Splendide qui était dans la chaise de derrière. Et Simba Kibanguli, bienvenue. Lui aussi était derrière, juste à côté de la victime. Merci votre honneur. Continuez. Merci votre honneur. Chemin faisant, quelques mètres seulement. Monsieur, bienvenue, avait entre ses mains une arme. C'est avec cette arme qu'il a braqué la victime. À part lui qui avait une arme, il y a Madame Splendide qui avait un couteau.
comme les dés étaient dans le chaise des derrière, c'est avec ces armes-là qu'ils ont immobilisé la victime. Ils lui ont pris, entre autres, les boucles d'oreilles d'une valeur de 200 dollars, une chaînette en or d'une valeur de 150 dollars, trois bagues d'une valeur de 150 dollars, une somme en dollars de 120 dollars, plus 1 272 000 francs qui étaient dans le sac. Ce sont là les objets et l'argent qu'on lui a pris. Ils sont allés dans un endroit où elle ne se retrouvait pas. Ils lui ont dit, si tu veux garder ta vie, appelle chez vous. Si on a l'argent, on peut te libérer. Là, nous sommes encore le 8 juin 2023. Quand elle a appelé à la maison, on lui a donné un numéro orange. Le numéro, c'est le plus 243 80 88 34 928. C'est le numéro avec lequel s'est prévenu communiquer avec la famille de la victime. Donc, la famille de Madame Mboya Grasse. Ils ont demandé 2000 dollars. La famille a dit qu'ils ne pouvaient pas réunir ces montants-là à ces heures-là. Ils ont dit, si vous voulez retrouver votre fille, envoyez-nous l'argent le plus tôt possible. Ils ont commencé à faire la pression en tapant la victime. Donc, il faisait l'appel, il met le main libre, il tape la victime en demandant l'argent. Vu que la famille attendait leur fille pleurer, ils ont dit, nous pouvons mettre à votre disposition maintenant 1200 dollars. C'est vers 0 heure de la nuit, allant du 8 juin au 9. Ils ont envoyé à ces numéros orange, parce que c'est un numéro e-money. On a envoyé 1200 dollars américains. Et c'est après avoir envoyé cette somme-là qu'à 1h du matin du 9 juin 2023, qu'on est venu déposer la victime en face du stade des Martyrs. C'est là où elle a eu la grâce de trouver quelqu'un de bonne foi qui a pu l'amener à la maison. Tels sont les faits pour lesquels Madame Mboya Grasse est victime. Yonani. Oh oui, global. Donc voilà, cachou. Donc, combo Kunga. Je viens d'arriver. Ah, Olinga, on s'est constitué partie civile. Combo Yeli. 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 Yeli Nani. Rifis. Olobi. Rifis. Rifis. Il faut foutre mon solo. Bengaka na droit, il faut consigner pour Zoa Malouba. Le tribunal appelle la partie civile Ngenja Balafundi Eli. Tribunal est pension Malouba. Naboukousse. L'obani n'a pas comme la kio. Merci pour la représentation de la parole. Nane Tony, à Tony, à Zaboukilo Nangai. À Lingima Nangai, à Yaki, pour la présentation qui n'est pas Nangai. Pour la présentation qui Nangai, à Zuma Nangai, à Kena et la propage, il va se foutre la propage. Trois mois, on a la popage. 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 On a la popage.
ailleurs. Oh yo, bango, bado tout est pas naïe. A bengi, mwasi langaï. A bike, mwana naïe, a zèpa naïe. A bike, monsieur prévenu. A zèpa naïe. S'il vous plaît. Et tout ça, tribunal, hein. Bah, l'oubara pas, m'a pas m'abdé. Maman, a bike, a zana. Et pas dans la tête. Habitez, on a un dacon, 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 on a un on a un dacon, comment on a une année? Tango. De quoi on a un boy Yango. Alors, maman Benga n'a pas mis de Nandabo. Dans la commune Nandabo, n'a pas mis de fermé. N'habitez, le commandant de la soda n'a pas pu apporter tes pauvres pour le baquetto, n'a pas complicité, il y a crime. La zone qui n'a pas de crime, oh yo, il y a popage. Oh ya SNL. Naye, n'a porté plainte contre inconnu. Parce que na monaki na le bokyo na ngai si place wanate ngai to memani na bango to komiti na ta ta to komna ndako ba buki ndako le tanda buki ndako ba to ya crime wana ba police wana ne ba buki ndako ba ye ko mona ndenge mona na ngai abomie na za na film na ngo yango alors, abomie, à longoli sexe naïe, à longoli gorge, à kati ma belle naïe, à longoli rein. Alors, batoya nani, ya ipekini, oh ya popage, bakangi photo, babengi, nani. Mokozi ya commune ya Ngalema a yesi place auditeur oyo ya Ngalema a yesi place comme a sali 4 jours ya décomposition babikete loko a komi boye make batie la morgue zete bake de kukunda ye bugumese nde siko a buzi banani ba couleur rouge ba emballé toke na eti na cimetière ya Tisuka nde bakunda kiye masali dosé na nene na la police oyo ya popage na la tindi biso na parquet dans to comme na parquet et pas na magistrat à lobby que le croyé à kimi bon mec procureur à Sengi la tribunal et c'est gamay na indo sa cité na ngai le tribunal vous remercie le prévenu pas dit. On s'engage à la tribunal et nous. On s'engage à la tribunal après ça, mais à deux fois, c'est la taille de ça. Le tribunal vous remercie. Ainsi, le tribunal estime sa religion suffisamment éclairée. Konga et Badi sollicite respectivement le fait de s'en remettre à l'Éternel, à la sagesse du tribunal et à l'acquittement. Sur ce, le tribunal estime sa religion suffisamment éclairée. Clôt le débat à ce stade. Pour se prononcer dans les bancs. L'audience est suspendue. Zuzima.
Abiala, alias HR. Okanda Kinumbi Sam. Lebeni Yabwila Eliana. Tumba Kungolo Honoré. Civil. Obota, l'enfant. Adresse la à Kinshasa, on va dire Wapi. La 17e. Vous pouvez reprendre à l'intention du tribunal les faits pour lesquels vous poursuivez les. Il y avait une fille dedans, monsieur Oyazana Matef Oyo, qui est à Télémi, à l'objet maman, aux autres qui est là, puis on a ça la poste express. Il y avait une fille à l'objet n'a pas ok, ton royaume, quand on a bien au quitte à toi, au quitte à la tête à la Kimboun. Ton commis, Wabi maman, après ça, bon, on a chaque carburant. Ton poussin n'est pas mouqué côté université Beaux-Arts. Wabi à papa, non, ton comité est aussi un bon à carburant. Ok. Bon, on a au début, et quand on a bien, comme ça, va tout, Maya, va faire ça, on a un bon roi. Ton télémime, qui est voué, n'a mon garçon, Oyo, Yasuka Kuna, à côté du Bosso, Moussousou, à Panouk, à côté de Sima, n'a mon panzi, puisque on a qui n'a Sima, fille, on a commis la Katikat, on a Moussousou, à Fian, à Koussani, du Bosso, on a Moussousou, à Tiengelo, comme Panza, le Kitty Samoutouna, yo, Kitty Samoutouna, yo, Kitty Samoutouna, yo, Kitty Samoutouna, Kambunini, wana wad, wa suka, Christian a yé li boso nan a petina li kofi. Kanga moun no kono a petina li kofi, kitza moutouna yo. Basali échange, na fi wana kaka na moutou, ka fiyan wasa kempe mes, na ebite na monye awate. Bali fiyan a leki li boso, yé, ya suka a leki na sima ao. A tchenge loko moun mpandia. Kitza moutouna seba kon ko beta, nga na vina zoko se etoufe, boko bo mangai, bozo bo mangai. Je suis un peu plus de temps. Bleu na
kati ba bomi yango akomi ko kene mutu nanga na sena o comprendre ba zui sac na ngai ba bandi ko fouiller ba zui deux téléphones mbongo na kati ba longoli nga perique na mutu ba déterminer ba longoli nga perique na mutu ba zui nga téléphone ni montre ba longoli nga bague ba zui nga ba boucle d'oreille nde na so ba na okufa mwana mutu so to beta nga ba kuna ba pli panzi na bi boko boma ngai na sana pe mate na ebise papa na na sembe ya 5 mois bobo mangai na zokosa me wana suka soko fina ngai na community na perdre na zo mona ke na ko perdre connaissance muninga ne boka saki na kwa lobi au signala tika ngai ale to baluki boye na moni to komi kote ya na zo mona pesika to sa ba bi pesa na code na yo orange man na lobi na sa na orange man te ba moni na carte na nga ba carte bancaire ba bi pesa bi so code na yo a banque nga bi so ba compte salaire mbongo etika la kate to récupérer ka nyonso na so ko kate na so bo tika nga na ukufa na na pema nde to komi na veni to e koma cimetière ya ko ekenda cimetière a Gombe wana mususu alobi na nga bi yo to so tika yo so ko gangi to tika portier polele to ko beto masasi ba luka mi kendele nde aleki mbala moko bwa tindi kingai nde ba kei na vitesse ne na bimi makolongulu na bimi sa kaka bongo na banzo ganga na ole na nde na moni mutu a moto asunga ke tsikanga le lendemain na ko na bimi na moni ba tiki nga kote ya cimetière a Gombe o kote ya cercle a Kinshasa nde ba tika kinga tango na kitini na moni place na zalaki motara ke tika nga na ndako lobi na ngo na ke koporte plein plainte na ipe crime na tiki ba détail nyonso tellement que j'avais mal à la mâchoire nani alobi toko retenir yo tekende kokota radio nde na kendaki depuis wana nazongi te naye komona bango kaka na réseaux sociaux nde batie nde na reconnaitra ki chauffeur parce que noye a discuté par rapport au prix nde garçon wana nde nga yaki vert nga boye namonaki ye vraiment po tobande kotambola na moni ye vraiment ti azoko agresse nga tosaki mwa lutte yango moni abandai kobeta ngai ça un peu ça elongo na elabi na ye ya Merci, Monsieur le Président. Continuez à intimider les autres, les petits citoyens qui vivent dans ces pays, surtout dans notre capitale. Donc c'est ça ce qui nous fait très mal. C'est ça ce qui fait que la République aujourd'hui pense à mettre d'autres moyens en dehors de ce que nous sommes en train de subir. Qui ne connaît pas que la RDC est agressée? En dehors de ce que nous connaissons, nous sommes en train de connaître la région de Malaise. Mais dans notre pays, dans notre capitale, nous sommes envahis encore pour, par les personnes de Pékin, qui sont plus que même ceux-là qui tournent aussi à l'Est. Votre honneur. Nous révélons ces faits parce que nous devons, ça fait très mal, très très mal, surtout que nous voyons des groupes bien organisés où ils tentent à décharger cette dame pour dire que non, elle n'a jamais participé. En pleine audience. Elle n'a jamais participé, elle n'a jamais posé des actes, mais elle n'est qu'une simple innocente. Mais lorsque nous sommes en train de faire des analyses, vous allez comprendre que si l'autre a cité, l'autre dit oui, nous connaissons. Donc c'est un groupe de malfaiteurs. On ne peut jamais à ce jour épargner qui que ce soit. C'est dans ce cadre que nous voulons demander aussi à votre tribunal de tenir compte de notre demande, de ne pas se laisser faire par des aventures. Les autres disent que Eliane n'a rien fait, elle est innocente. Donc s'il fallait condamner, nous assumons, vous devez nous condamner. Non, non. Nous revenons sur le fait. Il s'est passé que plusieurs années, et nous-mêmes qui sommes devant vous, et nos enfants,
et nos parents. Ils ont même témoigné pour dire qu'ils ont un système où, pour les juges que vous êtes, il suffit seulement qu'on utilise un monsieur qui peut passer à côté de vous. Le monsieur là pourra avoir le temps de récupérer tout ce qui est dans vos poches. Est-ce que est-il normal de laisser de tels genres de personnes vivre aisément? Nous disons non. Nous disons non parce que nous sommes dans un pays de droit où l'État doit faire son travail, où la RDC tente toujours de sécuriser. Merci beaucoup, Président. Nous disons que les choses se passent outre. C'est comme si nous ne sommes pas dans un pays de droit où tout est permis. Mais si, du fait que nous devons aborder aussi le fait des droits, c'est comme ça que nous demandons avec votre autorisation, sur le fait même, avec votre autorisation, que notre confrère qui a mis côté peut se mettre. Appelez-vous sur les intérêts civils. Merci, Monsieur le Président, honorable juge, Monsieur l'organe de la loi. Nous avons suivi avec attention l'exposé de tout à l'heure. Nous avons suivi avec attention l'instruction qui a clairement établi l'existence des infractions à l'endroit de prévenus ici de Ferré devant vous. Monsieur le Président, pour soutenir nos intérêts civils, il est de droit que ces faits soient d'abord établis pour que nous puissions justifier de la faute, qu'on démontre les dommages et qu'on établisse les liens de la faute au dommage. Et vous avez été suffisamment, je veux dire, éclairé par l'instruction de tout à l'heure qui a clairement démontré que, effectivement, il existe bel et bien une association de malfaiteurs avec un chef de groupe et des individus avec des tâches bien précises. Nous n'allons pas aujourd'hui, Monsieur le Président, rentrer dans la distraction selon laquelle les criminels qui constituent cette association veulent se disculper entre eux pour le besoin de la cause. Il est établi clairement, Monsieur le Président, qu'ils se connaissent par rapport à leurs crimes. Ils ne se connaissent pas comme des garçons du quartier qui grandissent et qui développent des relations. Chacun vous dit, moi j'ai été recruté. Moi je suis venu à cause de l'autre. Comment comprendre que de cette association, certains deviennent innocents, certains disent n'avoir rien fait, et cette hypothèse de fait est relayée par les autres. Donc, tous, ils sont dans la sauce. Ils sont dans cette association et cela a été clairement démontré. Monsieur le Président et honorable juge, ils reconnaissent eux-mêmes tous. Nous avons volé. Nous avons là, on a fait des opérations autant de fois. Qu'est-ce qui reste encore? Pour des gens qui reconnaissent le fait qu'ils ont commis, ils reconnaissent qu'ils ont endeuillé la République. Aujourd'hui, tout le monde a peur de se promener la nuit. Les gens hésitent à prendre des taxis. Les gens préfèrent quitter les bureaux très tôt pour rentrer à la maison. Ils sont dans leur propre pays, mais ils ne savent pas vivre. Et c'est la République qui est visée. Qu'est-ce que le chef a fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que la République fait? Tout ça à cause de ces criminels. Monsieur le Président, honorable juge, monsieur l'organe de la loi, il est à ce jour l'occasion, monsieur le Président, de vous distinguer par des condamnations exemplaires. Tous les Congolais attendent des sanctions exemplaires. Les Congolais nous regardent. À travers la République, ils ont besoin.
phénomène de kidnapping, que ce phénomène de vol des Koulouna cesse complètement. Voilà. Cela cessera, monsieur le président, quand vous, vous aurez sanctionné sérieusement cette équipe ici devant vous. Le dommage, il est énorme, monsieur le président, parce que ces gens font tout ce qu'il faut. Notre peuple est dans le deuil et la République postule effectivement pour des dommages intérêts. Parce qu'il est établi qu'il y a une faute, le dommage il est incommensurable, incalculable. Et donc, monsieur le Premier Président, la République voudrait qu'une réparation civile, une réparation qui soit à la dimension de leur crime. Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur le Président, que la République a dépensé de l'argent. La République paye le flic. La République mobilise la police. La République mobilise les services de renseignement. Et c'est beaucoup d'argent qui sont mis en jeu par les gouvernements de la République pour traquer ces gens. Et maintenant que nous les avons, monsieur le Président, maintenant que nous avons ces gens devant vous, au-delà de la réparation, par rapport aux victimes qui vous ont été présentées, monsieur le Président, vous condamnerez ces gens aux dommages et intérêts qui équivalent 100 millions de dollars américains et vous ferez justice. Nous avons. 50 ans. Monsieur le Président. Non, mais encore. Mais non. Oui. Non, s'il vous plaît. Non, mais nous avons à dire. Non, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la parole est encore notre père. Gagnons le temps, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est la République qui en pâtit le plus. Oui, mais est-ce qu'il y a encore à dire? Elle est en deuil, elle devient de plus en plus. Est-ce qu'il y a encore à dire? Bien sûr, voilà pourquoi nous sommes au micro. Non, attendez maintenant, attendez. Le tribunal vous fait observer que vous postulez pour vos intérêts civils. Votre confrère s'est basé sur l'article 258 Code civil congolais livre 3 qui pose les trois conditions cumulatives pour qu'il y ait la responsabilité à qui l'est. Il s'est étalé longuement sur la faute. La vie de recherche est de l'oukaye, ce qui est au kangiye, n'est au bengaye, n'est au bengaye. La tikibé va donner la gana, va adresser n'y a surtout Puna. Na gombe Puna. Naye kozonga, to pandi, to sali matanga et fini. Lobby de monde na information, de tout monde soukoyo, ma flashe souko, ni na bango, poutou na bango. Mais ce que vous avez dit, ce qui est un problème, c'est que vous avez prévenu que vous avez hypocrite. Léon a dit que vous avez hypocrite. Vous avez se présenté. Vous avez dit que 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 vous Alors, Tango a bougé mon langage à Kimi, à d'aller porter disparu. Tenenge, Makambo, et Yoko Mandelo, et Angola. Na ye et pas là, ma cause, ma personne a solution. Il y a un cas, il y a mon anagai, oyo, assassin, a détruit mon anagai, la taxe mon anagai, qui a eu diplôme d'état, mais a eu coupé ça, a venu à mon anagai. C'est là qu'il a 100 années. Et ça, qu'il a 3 mois, le 19 2020. Donc, il a fait un. Bon, le tribunal vous remercie. Comparé à la partie civile, Kwanga, Mabaya, Benjamin.
tribunal a fait sur Maloba, on fait sa version là. Au lobby, il y a un tribunal. Merci beaucoup, prévenu, merci beaucoup, papa. Nous avons passé la parole. Ngaï, Nazar chauffeur taximen. Ngaï, Nazar chauffeur taximen. Nasomi Moutou, Ngaï, Nabi Malanzela, pour lancer la taxi, la faire vivre, et sur ma main, autant que ça n'a pas ma classe. Ngaï. Sikoyo na komi na IPEN na IPEN na Zui Cooks Express na mutumoko azuya Cooks na Express na IPEN o papa accompagné ngai tina na kitambo na Bangala precisément na wenza Bangala na kitambo ezaki date nini. C'est octobre, mais la bonne année date, 2020. Continuez. Ok, papa. Si l'État va faire une course, tu as na Bangala, na Kitambo, tu as une Bangala, et tu as un mouton, tu as un solanaï. Tu as un solanaï par rapport à nous. Ou par rapport, il y a pris la course. Tu as un oh, papa, il y a un solanaï qui n'a été. Alors, il était membre de l'église, comme si nous avions conseillé. Nous avons dit que il y a un terrasse à Maï. Il y avait 4 parcelles. Il y a des parcelles et des bateaux. Il y a des silences. Si je suis en train de faire des choses, ça va, Tomoni. Papa, on a abîmé Kirinaï. C'est quoi, bon, on a raison de comprendre peut-être les passagers, quoi. Aïe, aïe, on a. On a fait un mot porteur, on a dit, non, mon frère, quitte, tu as un logo, on a raison de comprendre. Ah, c'est pas grave. Aïe, malamoko, l'état n'a moni, et pour n'aïe billet. N'aïe billet, ah, je fais ta semaine, ton salaire n'aïe, n'aïe peine, ah, ça la taxi. Mais, et l'autre, comme si on a Monica croyant que les gens vont aller à la banque, aïe, 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 maman, aïe, 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 de Bangala ibongo bakena libongo kuna babwa kinga leta babwa kinga ba comprendre que na kufi des gens ba yeba que na kufi trop que zo djapo na melari l'autre côté enzinga pena bake babwa kinga leta babwa kinga yi bazumu tuka bakeyi na zotala na telephone na zomu na bazo saisir bat na lukaka na mona ay souter na perdre connaissance na yeba pe souter donc na za na problème na zuba sou medico. L'État qui a moni na téléphone na ngai ba publier ba criminel oh na telika boy na moni elongi na madame tala mwano joyo tout cela kana ye tout cela kana oh na ye biye na sakombi ayaka boy ala taxman nga se précisément mi ye wana yaki l'État ba sezinga alati eloko na ye na elongi asipa ke elongi mbala moko ba sezinga ba salinga oh ba kosala nga ba ke ko boaka ngai l'État na moni na ye mbangu nga se na se présenter jeu de plaque. Na numéro ya carte rose na zanango a volet jaune ezali awa na ebite mutuka nanga ezana maboko na soki ateka soki ezali na ye pona zo mutuka nanga na maboko na ye. Le tribunal appelle à la barre la partie civile Yeli Griffin.
tribunal de pension malo. Oye bisaye makamoni elekela kio. Ezalaki wapi nani asalaki yango na ngonga nini bisikani. Bon, ezalaki mukola dimanche ya le 18 juin. Mukola dimanche ya le 18 juin vers ba 14h à 15h. Na bula na komi na komi na ngaba na bombe super lemba. Jeune Paul. Jeune Paul. C'est bon, tu me donnes la main. Aïe. Y'a combien de nani? Yo, combien de nani? Hervé. Hervé nani? Makinda. Manginda, oui. Aïe, si n'aïe, kendo tika mana sipe en amoko naza presi. Na tombo liye peto bando kende. Toko mi sipe en te, abi masa, na wabak selombongo. Kotanga na direction est tekeli. Ça va to kotanga na direction est tekeli. Tant to comme na direction tekeli vu que za munene avenir moi za wana babenga ngwa venir paka. Avenir paka. On formenté hein. Ye muto na memaki. Mususu wana alobi ke o masa kotanga ye na memaki tant to kotanga na venir paka wana biza na mon honorable nanga. To comme wana o mususu a vite ke o ngane na za honorable. Zela na sani ni na peso mbongo. Sibitma mtu wana abandit atema bando talanga. Mais bon pesa mbongo. Na comprendre tenga mona na se trouver na se ya moto. O msona tanga démarrer moto bando kini. Na lande na kangé boy. Sibitma moto ikei. Sibitma wa. Na comprendre te ndenga ni bazo nga moto. Comparé le prévenu Ngala, le mama, Christian. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, si vous votre tribunal nous le permet, nous suggérons à votre tribunal de pouvoir appeler avant les prévenir le mama, de pouvoir appeler la prévenue Reda et que Reda Makwa et que nous puissions poser quelques questions avant que l'autre ne comparaisse. Bon, pas d'inconvénient, le tribunal appelle la prévenue Reda Makwa. Zala Liboso a micro. Role nini yoju waka na kati association na bini? Loba makasi. Na ju waka role mo kote. Na 2019 kala. En 2019, quand la Fanda n'est pas B-boy, la Fanda n'est pas naïve. Là, j'avais 17 ans. Naïve qui m'a mabando salaté. Et après, à proposer Naï, que la salle à Rabouya, salle à Rabouya, salle à Rabouya. Et après, quand on va à salle à Rabouya, Boye Neni, à proposer un gâteau dans nos salles à Naï. La boue a quitté l'antimaki. Et après le premier jour, oh, Tobimana y est, tout comme ça, ma camboana, tout ça là, accident. Et le jour, tout ça là, accident, toujours à ma choc. Nous allons en Gaï, B-boy, une Achille. Là, garçon, mon robe, à mon assaut. Dès tout ça là, accident, Bandawana, la Jura, non, ça là, on se dit. Big boy, à Zaliwa.
Monsieur le procureur, si vous avez des questions à faire poser. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, madame et messieurs du tribunal, est-ce que la prévenue peut-elle nous dire les personnes avec lesquelles Big Boy avait l'habitude de sortir la nuit, opérer, disons? Procureur Azali Kotuna, Yebisa Bisso, est-ce que Tangela Bisso, Batonani, Big Boy, Abandaki Kobimana Boutou, pour voir qu'elle ne coopère? La mona présente à l'accès du show fashion sur faire la yé. Est-ce que, monsieur le président, peut-elle nous dire lorsqu'ils sont sortis pour opérer ensemble, comment s'est fait la répartition des tâches? Qui devait faire quoi exactement et qu'est-ce qui s'est passé avant l'accident? Procureur Azako Tournayo, éclaircir Bisso, répartition à tâche. N'est-ce pas pour ma kawana pour moi qu'on est au salam, à moi, au bino boyébi. Rôle est à moko,
et à la canine, paix avant accident et salima. Pour ça, la canine. Le premier jour au fait au Tobi Makinaye à Ibsakina dans un quoi client. Il est chauffeur, garçon Mokoli Bosso, garçon Moussous Nassima, dans un quoi client, dans le message chauffeur, la piscine Mongo, la Kitty. Tant qu'il y a un coup, tu as avancé quelque part à la Kitty, et après, bon, bah, tu as dit pour ça, oh, bon, bah, pour ça, et après, là, on m'attend, enfin, dans les Bosso. Et après, je suis maman m'a envoyé. Maman a dit qu'il y a un garçon central. Côté gare centrale. Il y a une direction, il y a beau marché. Côté Mathia, il y a un prémisse. Il y a un maman tellement qu'il y a un bang. Ndé abando gangi langa air na sima boka mama na ko banga zo gangi langa ba sala bongo te so poza la butko azo tala na sima ndé to kiné ki sali ya accident wa aussi bon opéra combien de fois opéra lika une fois le jour wana ils allaient ka le jour wana namba la mona accident de la jira ki na sala mo soupe. Alors la dernière question pour cette série. Pourquoi, en fait, est-ce qu'elle peut nous dire quelle était exactement la cause de l'accident, puisqu'elle nous dit que c'est Big Boy qui était au volant et que ces derniers les regardaient et c'est du fait de cela qu'il a perdu le contrôle du volant et l'accident s'est produit. Pourquoi est-ce que Big Boy s'est tourné pour la regarder? Alors, mais excusez-moi, en fait, c'était l'avant-dernière question. La dernière question, peut-elle regarder la dame qui est derrière elle? Alors, peut-elle nous dire, par rapport aux propos de la dame, est-ce que ces propos correspondent-ils à leur façon de faire avec la dame qui avait été enlevée la dernière fois qu'ils étaient ensemble? Voilà, on a évité parce que voilà les acala, voilà les acala qui finissent ou à éviter les gars tout ça là. Donc oh il y a un lobby, je sais pas. Quel votre tribunal m'autorise à poser la question à l'égala? Maman ou yondenga lobby bas salaki, bas kangié bas fini. Est-ce que bas salaki yondenga lobby on l'appelle la maman ou bosaki na mutuka? D'accord. Ok. Merci. Est-ce que Oyebi Batonio sur Bazalia va prévenir Oyebi Nani? Mademoiselle Rida Makwa. Ouchi ko luba boye. Tango zala ki kosala opération na Playboy. Na Big Boy. Zala ki na neni? 2019.
en 2019. Le tribunal a rappelé. Est-ce que ça m'a pas